Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grandeur. Bonsoir Laurent. Bonsoir Cécile, ravi de vous retrouver. Nous partons avec vous dans l'intimité de Jean-Michel Bazière en vue du Prix d'Amérique édition 2020 ce soir. En effet, depuis le dimanche 17 novembre, date du Grand Prix de Bretagne, eh bien nous avons suivi Jean-Michel Bazire, ses chevaux, ses équipes dans les courses préparatoires jusqu'à la grande course. Et ce soir, eh bien nous allons pouvoir vivre tout cela ensemble. La grandeur de Jean-Michel Bazire, c'est tout de suite. Toi, t'as faim, c'est bien. Ça a été tes ce matin? Ouh, bien mangé, mon kiki. Ah, 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 ah. Ah, le crack. Il a le crack. Bien content de... que ça soit revenu parmi nous. Attends, mon grand. Ça va, tu prends pas trop dur, là? Hein? Oh, ça va, tes vacances? Contre un camp. La victoire. La victoire, bout du pied, et la gloire défilait l'ennemi. Les Bazire qui sont toujours à la lune, et puis il y a Jocelyn à l'extérieur avec l'homme. Enfin, sur le Tudor, Jean-Michel Bazire. Extraordinaire performance de Mélina Jocelyn à l'honneur dans ce prix d'Amérique. Cette domination de Jean-Michel Bazire, premier, deuxième, quatrième en tant qu'entraîneur, Doria en tant que driver. En tant qu'entraîneur, cette performance, elle est vraiment exceptionnelle. L'homme au vin sulky d'or, Jean-Michel Bazire, donc sur le toit du monde, incontournable depuis des années. Il est là! Bravo Jean-Michel Bazire! Enfin, moi, je n'ai pas cru, et puis d'un seul coup, vous avez vraiment poussé, et la jument, elle les a entendus et est venue gagner. C'est grâce à vous. La paix! Yes! Ah, bravo! Ouais, Jean-Mi! Ouais! Yes! Importante pour moi, presque aussi importante que la journée du Prix d'Amérique. Quand tu passes par les qualifications, c'est comme si c'est des premiers objectifs qu'il faut atteindre pour toucher éventuellement le Graal. Donc c'est très important. Anyone is unknown.
Bon, on est bien, on est bien. On est bien. En tout cas, il fait beau. Déjà pas mal. Faut pas trop se louper, quoi. Bélina, c'est pas grave. Bélina, elle a encore 100 jours, à peine, 190 jours pour se préparer. Mais les deux chevaux, faut qualifier. Est-ce qu'on n'a pas oublié la bride de ce cheval-là? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais le mettre sans oreillement ou avec un oreillement? À fond, quoi. À fond. Allez, action. Ça y est, la route vers l'Amérique est ouverte avec cette première épreuve qualificative. Le Prix de Bretagne, nous y sommes. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Sachez que Jean-Michel Bazire est absent car il est sous le coup d'une mise à pied. Donc pas de Jean-Michel Bazire au sulky aujourd'hui. Les trois premiers de ce Grand Prix de Bretagne sont qualifiés pour le Grand Prix d'Amérique directement. Ouais, ouais. Et là, on a deux fers au feu, Davidson Dupont et Looking Superbe. Ton préféré entre Davidson et Looking? Davidson. Davidson, il a plus de classe. Hein. Ouais. C'est les autres qui vont piloter pour lui. Et là, c'est différent. Puisqu'il ne peut pas driver, et là, il a un peu la pression. Avec le palmarès qu'il a, de voir quelqu'un comme ça avoir encore la pression, c'est magnifique. Les courses que j'ai vécues précédemment, ça ne me fait rien. Mais pendant le Prix de Bretagne, moi, j'étais assez anxieux, quoi. Anxieux, et puis j'avais la pendule qui battait. Hein, qui battait. Bon, c'est normal, c'est quand même des gros rendez-vous. On va l'atteler avec le sulky noir. D'accord ? Elle va la mâcher gentiment. Ah non, 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 t'avais celui-là. Atteler les chevaux. Atteler. Tu rentres à 6 minutes, tu fais un tour de la petite piste en envers. Tu vas encore fort en dehors, hein, juste en partant. On va pas faire ça. Voilà. Progression. Tu te mets où tu as une place. Par contre, pour finir, tu essaies de te faufiler. Hein. Toujours dans ta tête, tu peux pour faire bien. Pour que tu montes en mont et progresse. À tête à le jument, petit Jean. Par trois quarts. Mmh. Hein. Après, je pense qu'il faut être aux avant-postes quand même, parce que ça va pas ramener. Ouais. Personne qui va venir en dehors. Après, si c'était pas très bien passé et que c'est, entre guillemets, des non-chances devant, tu peux venir en montant, mais on veut pas. Ouais. Hein. Ça sert à rien. Ouais, c'est bon. D'accord. Après, comme d'habitude, tu ne te bats pas avec les fantômes. Hein, Alain, il va sûrement aller devant. Toi, tu démarres, tu sors de là-dedans, tu te poses. Hein, ça n'a rien de brûler. Tu fais 150 mètres, mais t'en fais pas 300. D'accord. Ça va aller pour vous de regarder ça des tribunes, de ne pas être dans le sulky? Il y a 5 ans, j'aurais été fou. Et encore un an, j'aurais été embêté. Maintenant, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai toujours dit à mes gars, driver pour vos chevaux, vous battez pas avec les fantômes. Et là, tu mets un temps de séance. Et là, le gars, et ben, c'est dans sa tête et les fantômes, il les a. Ceci, il a fait un temps sur un peu le papier. Les fantômes, et c'est ça, 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 ça. Donc, aussitôt, t'as plus que 8 chevaux à battre. Donc, aussitôt, normalement, c'est bon, c'est sous l'argent, quoi. Voilà. Te bats pas avec des fantômes. 2020, attention Vincennes, on va partir pour le Grand Prix de Bretagne 2019, la course des Bleus, et c'est parti! A chercher à partir côté corde, mais elle part au galop, le numéro 13, elle est fautive, alors que Davidson Dupont s'installe. Donc Davidson, lui, c'est
c'est soit qui partait le plus vite, quoi, le peloton, c'est facile pour lui. Et le King, lui, il était tout de suite là. Il a aussi fait un bon départ. Donc là, j'étais, ça y est, là, j'étais un peu rassuré. Donc les King, lui, les vents, c'est dur. C'est très dur. Bon. Davidson qui sort. Oh là là, j'ai envie d'être quatrième, voire cinquième. Allez les gars. Si ça va, je pense qu'il a résisté. Alain Laurent est également qualifié avec Jika Jude, suivi par le Il a résisté. Donc là, la pendule est bois forte et puis très soulagée. Aujourd'hui, deux Bazir sur le podium, premier et troisième. Tout le monde est qualifié. Vous êtes heureux? Ouais, je suis soulagé. Tu sais, soulagé. Donc maintenant, on va pouvoir préparer ça tranquille. Bravo. Soulagé, mais le prix de Bretagne, pour lui, c'était une étape, parce qu'il pense à la finale, quoi. Il pense à la dernière, tout le temps. La course, je vais la regarder au fur et à mesure du temps. Les préparatoires, comme il est, c'est une quarantaine de 50 fois, quoi. Parce que tout au long de l'hiver, il y a des notes à prendre. Je me retourne à la campagne. J'ai mes tracteurs, j'ai ma femme en plus, donc je suis bien. Un petit chien qui veut faire la piste. Faire la piste. Faut pas louper ça. Allez! Piste pour demain. Si tes pistes sont pas bonnes, bah, tu casses les chevaux, tout simplement. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle, il faut que tes pistes soient adaptées au travail que tu vas donner à tes chevaux. Attention, mesdames et messieurs. Jean-Mi réfléchit énormément. Je pense qu'il s'arrête jamais. C'est un type très intelligent, travailleur, méthodique, organisé, qui connaît très bien les chevaux, qui adore les chevaux, qui sait les mettre au tip-top. Il est très méticuleux. C'est le petit détail qui, à la fin, fait la différence. Je crois que c'est sa qualité professionnel première. Tout est millimétré, tout est très bien organisé. Il a une grosse personnalité. Je regarde la ponte, je regarde si je prends pas trop de sable. En plus, ça me permet de voir mes chevaux. Et que tu restes le même. J'attaque à 2h et je finis à 7h. Mais par contre, demain matin, t'es le premier à rentrer sur ta piste. Le jour se lève, t'as la piste parfaite. Voilà. Ça régale. Tu fais le plus beau métier du monde. Et des fois, ouais, des fois c'est long. Maniaque et puis un don pas commun.
Je pense que quand il avait environ une trentaine d'années, là, on s'est aperçu qu'il était vraiment unique. C'est un don du ciel, hein. C'est un Zidane, c'est un Mbappé, c'est le champion du trot. Pour lui, c'est naturel. Bon, il se rendra compte sûrement un peu plus tard que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Il y a quelque chose de plus que les autres. Je crois que personne ne peut l'expliquer. Un extraterrestre. Allez, gros. Oh là là, c'est des gros sacs. Messagerie Orange, bonjour. Ouais, petit gars. Bah, ça va. Et toi? Ça va. Tu m'en as mangé? Oui. Ok, t'as quoi à travailler ce matin, là? Looking Davidson. Looking Davidson, le premier hit. 3 tours dans la grande, en rigolant. Ouais. Passer sur la piste intérieure, 3 tours en 50, vous faites un bout de sous-pied de 20. C'est important le corps de la gauche pour le King. Ouais. Il y a des trous des fois pour traverser le bois. Hein. Allez pas me mettre un de mes chevaux là, dans un trou. Ok. Ouais. La course c'est pas tout de suite, donc tout va bien. Il m'appelle pour voir si je suis levé. Mais ouais, c'est vers 6h30. Il me regarde tout le temps. Des fois, il dit rien, des fois, il dit plein de trucs. Bah, moi, de toute façon, d'abord, c'est mon père, c'est pas Jean-Michel Bazir. Donc, quand la campagne est sur son petit tracteur, mais nous, on le voit pas, mais lui, il voit tout. Même quand il est pas là, il voit tout. Bélina, c'est une jument super attachante, super adorable. Elle a tellement de personnalité que on la préfère à certains chevaux. Pas bouger. Ouais, ça va, oh. Le travail est gentil, hein. Il la respecte beaucoup. Il respecte beaucoup ses chevaux à l'entraînement, hein, de façon générale, mais elle est très délicate, donc il faut encore plus, pour préserver son moral, préserver son physique, quoi. Nelsie a mis un protocole de soins en place, et puis ça, c'est relativement bien placé, mais bon, elle a été quand même un mois et demi, 2 mois dans le box. Après, elle était chez les sœurs Koval, en Barnéo. Après, elle est revenue, c'était pas terrible, notre affaire. Et puis après, ça s'est amélioré tout doucement, en faisant beaucoup de soins. Et là, ça a l'air d'être calé, quoi. C'est comme du cristal, quoi. Il faut vraiment peaufiner sa préparation et travailler assez dur pour qu'elle soit performante, mais pas trop pour pas la fragiliser. Donc, on va travailler maintenant jusqu'au Pôle d'Amérique en montant, quoi. Ouais. Une relation, ouais, un peu de l'amour, quoi. Ça fait depuis le début que je suis arrivé que je m'en occupe, donc j'ai appris à la connaître comme toutes les femmes. Et puis maintenant, ouais, je suis tombé amoureux d'elle. Je vis pour ça, donc je veux revivre la même chose que j'ai vécu l'année dernière, ça serait super. Dans le temps, on était affolés, mais maintenant, ça va. Thank you.
fais des mecs, c'est dans un mois et demi. Faut que mes chevaux ils courent. Je préfère courir plutôt que de travailler dur, donc ils vont courir. On va courir au moral. Voilà. Entre le Bretagne et le Bourbonnais, ça serait très bien passé. Hein. Les chevaux ont travaillé magnifique. Pas vite. Pas de vitesse excessive, mais on a travaillé régulièrement, gentiment, sérieusement. Bon, c'était cool. Ok. 12h39, tu arrives dans 20 minutes. Ouais, vous n'êtes pas de l'avance, les gars. Hein. Bon, ça va. Promis, t'as 1h30, hein. Ah non, 1h45. Bah, la première apparaît à quelle heure? Je sais pas. Ah, tu sais pas, mais nom de Dieu, mais les gars. Hein? Non, mais je vous demande d'être en place. Hein. Je demande pas d'être. Je sais pas. C'est pas chez moi, c'est pas chez toi. Hein. D'accord? À tout de suite. Par à 25, la première. Elle part à 25. Ok. Donc, tu vois, à 25, il faut que tout le monde soit prêt à atteler. Tu comprends? Ok, petit gars? Ça marche. Allez, dépêche-toi. Mélina, j'ai pas attelé en compétition. Hein. Depuis le prix de Paris, enfin depuis la fin février. Donc ça fait un moment déjà. Donc j'ai hâte d'être à son Suki, quoi. Des jours, on fait l'amour, des gens, je... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici sur l'hippodrome de Vincennes pour assister à la journée du Grand Prix du Bourbonnais, deuxième des 4B préparatoires et qualificatifs pour le Grand Prix d'Amérique qui aura lieu le 26 janvier prochain. On a affaire à une course de chevaux d'exception bien sûr tout à l'heure dans le Grand Prix du Bourbonnais avec certains chevaux qui vont essayer de se qualifier pour la grande course de la fin du mois de janvier. Les professionnels sont présents en pleine activité actuellement du côté des écuries. 9 courses sont à l'affiche, on démarre le programme à 13h25. Ça te fait une petite main. Hein. Une main. C'est important, c'est de bien ajuster ta croupière, Tigre. Pourquoi tu me dis ça? Bah parce que comme ça, le Suki, il avance moins, quoi. Ah oui. Voilà. Jean-Michel, il n'a pas trop d'échanges, il a beaucoup de choses à penser à côté, donc on va lui demander un ou deux détails, mais c'est surtout, faut le regarder. Il nous donne un salaire, mais limite, ça sera à nous de lui donner de l'argent pour qu'on travaille auprès de lui. Il faut surtout que je regarde. Je regarde partout, je regarde ce qu'il fait. Et voilà, que je sois plus concentré, parce que des fois, je suis un peu la tête en l'air, mais que je me concentre un peu plus, quoi. On parle pas beaucoup, c'est surtout dans le regard, et de toute façon, maintenant, ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille ensemble, donc on se connaît par cœur, on sait ce qu'on a à faire, et il n'y a pas de problème. Thank you.
ils vont directement bien courir, mais plutôt vers l'arrière-garde, ils vont finir 8-9e. Comme ça, légèrement décroché, ils vont être à 25 mètres de la tête. Normalement, c'est comme ça. Parce qu'ils sont ferrés lourds, parce qu'ils ne sont pas affûtés. Les trois places pour le prix d'Amérique sont en jeu. Dans ce prix du Bourbonnais, les concurrents ont volté. Qui viennent de passer le poteau du dernier kilomètre avec toujours en tête Bold Eagle, tête et corde avec à son extérieur Bayakeno, Desna qui ramène Terabuida, le sprint qui va être lancé dans quelques instants avec Bold Eagle qui va tenter d'aller au bout. Bayakeno courageuse, toujours en deuxième position. Deliane Pomeroy qui n'a pas franchement l'ouverture maintenant. Mini droite finale avec Bold Eagle qui est peut-être parti pour s'imposer, mais on finit fort à l'extérieur avec Usain Jostin. Mais Bold Eagle le tient bon, il a l'avantage. Deliane Pomeroy va peut-être gagner son billet, de même que Mini Confort. Bold Eagle attaqué par Deliane Pomeroy. Deliane Pomeroy qui vient dominer Bold Eagle sur le poteau. Mini Confort sera troisième. La quatrième place pour Enino du Pauvreux, le numéro 4, à voir avec nous un poussin de 13. C'est maintenant le titre. La jument n'était pas à 100%, j'espère. Vous êtes dans le bon tempo avec elle? À peu près. Le cul, mais t'es content. Ouais. C'est propre. Oui, c'est propre. Voilà. Sans pas emmerder, là, pas de soucis, machin. Non. Bon, et les autres, ça a été? Bah, Davidson, bah, c'était, ouais. C'était très bien. Et puis l'autre, c'était qui l'autre? Lucky? Lucky, il y a au départ. Bah, Lucky, oui, il a fait la faute. J'ai pas fait gaffe hier soir. Comment? Eh, ils sont trop couverts, t'es chaud là. Là, les gars, regarde le bordel, il fait 8. Et quand il va faire moins 2, il va être couvert ton cheval. Comment? Pareil. Pareil, bah alors. Là, du coup, le découvre pas maintenant, hein, parce que au lever du jour, c'est toujours un peu plus froid. C'est des petits trucs, mais c'est vachement important. Mon père, il mettait beaucoup l'avoine au chaud, le midi, le soir, toi, le matin. Et des fois, je redescendais à la campagne et puis je regardais les rations. J'étais trop ces chauds-là. J'ai dit, qu'est-ce qui a mis ça là? Bah, c'est le chef. Il dit, j'ai dit, papa, j'ai dit, mange trop ce chaud-là. Eh, t'occupe pas, faut qu'il mange. Bon, ok. Alors, par derrière, moi, j'ai dit, tu soignes moins, il est trop gros. Enfin, bref, c'est des petits trucs. Et puis, en fait, moi, le matin, quand je soigne, là, s'il n'avait pas trop d'étages, hop, un peu plus à lui, un peu moins à lui, quoi. Attends. En fait, je reviens à lui donner raison, parce que je ne soignais pas assez, moi. Ouais. Je ne soignais pas assez, mes chevaux. Ouais. Et c'est donc à ce que je pense le matin quand je voyais Michaud, j'ai dit il avait raison. Mais faut que ça soit fait quoi. D'accord. J'ai décrété il y a un an à peu près, ouais. C'est le lundi maintenant, on va manger chez mère. On mange chez mère et on est bien. Il s'est bien rattrapé depuis. Ouais. Signons un beau succès. Fais attention au départ, mais bon, après, c'est la corde, non? Qui? Ouais, il démarre, mais bon, ouais, moi j'ai toujours été. J'ai jamais non plus chargé à. Et là, t'avais la longue par seulement, là, au 8 ans.
Allez, on va partir, d'accord. Les chevaux de la concurrence, Jean-Mi, mais il en parle jamais à la maison. Il va jamais dire je crains tel cheval ou. Non, ça pas du tout. FaceTime Bourbon qui va s'imposer dans ce critérium continental à quelques jours du prix d'Amérique. Flèche du Lucas sera deuxième, Frisbee Dame troisième. FaceTime, on l'a vu une fois, c'était magnifique. De course en course, il m'impressionne de plus en plus. Le cheval est très beau, ça ne garce rien. Et il a des bons chronos. Hein. Il a des bons chronos. Et 10 2100, il est 11 2007. C'est des chronos de prix d'Amérique, tout simplement. Ouais, et puis il y a Bold aussi, parce que Bold n'est pas cuit non plus, donc je pense qu'on a deux chevaux pour contrer un peu Jean-Michel, on verra bien. Tu sais que lui, il a des premières chances, et moi, j'ai une vraie, véritablement chance. Jean-Michel, l'avantage qu'il a, c'est que déjà, il est très fort, c'est le plus fort, de toute manière, du plateau. Il est inventif. Et en plus, il drive ses chevaux, donc il connaît bien ses chevaux, qu'il entraîne aussi à la maison. Il a monté une belle boîte. Davidson Dupont, il a fait grosse impression l'autre jour, quand il gagne son premier B. Puis c'est un cheval, on sait qu'il est très puissant, une très belle pointe de vitesse. Donc ce sera, à mon avis, le cheval à battre, je pense. Davidson, lui, c'est la classe. Et quand il s'énerve, il peut faire un peu n'importe quoi. Donc, il faut lui mettre bien. Et lui, quand il est bien, le mental, il l'a. La classe, il l'a. Donc, ça ne sert à rien de vouloir tout démonter. Musculairement, c'était déjà un très, très beau cheval. Maintenant, on dirait Mike Tyson. Hein. Il est complet de partout. Il est magnifique. Tous les gens qui le regardent, ils le regardent à deux fois parce qu'il sort vraiment du lot. Je pense qu'il a pris de la maturité, de la force pour porter son braquet. Quoi. Voilà, j'ai eu beaucoup moins de mal à tourner la dernière fois. S'il tourne encore mieux que l'année dernière, attention à tout le monde. C'est vrai que je le prépare pour comme tous les autres chevaux, mais j'en prends plus soin. Je fais vraiment attention à tout ce que je fais. Je reste concentré tout le temps. Toujours voir s'il n'y a pas un petit détail qui déconne, une petite connerie. Ouais, on cherche la perfection. Ah ouais, il y a une certaine complicité avec Gabi qui est rigolote, parce que je les voyais faire, quand il fait ses soins, là, les bandages, etc., il vient le mordiller dans le dos. Ils ont une bonne complicité, tous les deux. Oh bah avec les yeux de l'amour, tous les matins, dès que je peux, je vais lui faire une caresse, lui donner une pomme. Davidson, allez, bougez-vous de cul, là. Oui. Allez, viens avec papa. Et tu vas faire un tour en 25, d'accord? Quand à droite, bien brûlé à gauche, pas d'erreur, d'accord? Voilà, c'est bon. Deux, trois, la croupière, deux tours d'appuissement. Non, toi, tu vas travailler corde à droite. Tu vas faire un tour en deux et après, tu fais deux tours en 30. Nicolas, tu vas travailler dans mon dos. Quand je vais te faire signe, tu vas sortir, oui. Je sais pas encore. On appelle et puis on fait quoi? Je sais pas.
Je sais un peu à peu près, mais d'un seul coup, on sort de l'écurie et puis je dis tiens, on va aller par là. Il a beaucoup, beaucoup d'intuition. J'adore changer, je déteste la routine. Sur les pendants de Vincennes pour cette très belle réunion de course. Il y aura bien sûr le prix de Bourgogne comme temps fort. Un mois avant le prix d'Amérique. Il y aura également la dernière lauréate du prix d'Amérique, Bélina Josselin. Là, on s'interroge davantage quant à sa forme cet hiver. Bah, tu fais un parcours école, hein. Il faut qu'il y ait le double pour finir. Quoi. Ça, le plus important. Tu rentres à 8 minutes. Hein. C'est plus long. Hein. Encore serré, un peu plus offensif. Les trois premiers se voient offrir leur billet. Le favori, c'est Bold Eagle, le tenant du titre. Il avait gagné l'an dernier. Ça va partir dans quelques instants. Voilà, c'est parti. Bold Eagle, bien parti, mais pas aussi vite que Ringo Starr. Alors que Davidson Dupont patiente plus loin avec Looking Superb. Avec Billy de Montfort, quant à Bélina Josselin, il se retrouve maintenant dans le dos de Bayakeno dans le haut de la montée. Alors que Bélina Josselin est encore un peu dans l'emprise du peloton, Bold Eagle s'est détaché, il compte plusieurs longueurs d'avance. Billy de Montfort, le numéro 3, qui va tenter de s'imposer. Billy de Montfort pour la 100e course de sa carrière, qui va remporter ce Grand Prix de Bourgogne devant Bayakeno, Vivid Wise-Eyes. Usain Josselin prendra la 4e place. La grande championne qui a remporté le dernier Grand Prix d'Amérique l'an dernier, c'est pas elle qu'on a vue aujourd'hui. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein ? C'est pas bien. Bah non. Bah non. Si, pas de problème à ce niveau-là. Bah non. Bon, on va monter dans les tours pour voir comment ça se passe. Ouais, on va voir ça dans 15 jours. Hein ? C'est bien la souplesse. Voilà, là bah, je vais travailler assez dur là. Ouais. Pour voir dans quel jour pour le Belgique. Je vais l'alléger en ferrure, je vais le tête ferrer derrière. Et puis là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Mmh. Hein? Je vais renvoyer un peu dans le. Ouais. Bon, après, c'est pas. Attends. Ah non. Ouais. Non, mais bon, on aime bien. Mais bah oui, oui, non. Si on veut venir avec des ambitions, il faut que ce soit bien. Bah oui. Si c'est. Mais ça va aller. Au revoir. On m'a pas trop plu quand même parce que toute la route, je suis archi battu. Ouais, ouais. Un peu là. Ça vous donne un coup de froid du coup pour la belle quoi. C'est la douche froide là. Mmh. Je pensais qu'il allait mieux courir que ça. Parce que dans 15 jours, tu vas faire en sorte qu'elle soit. Nous sur le programme, on voit rien. Quand on voit ferrer, on se dit bon bah. En phase de préparation, tu lui la santé quand même. Normalement, elle doit être avec. Ouais. T'es déçu, ça ? Ouais. Elle aime pas être là. Elle aime pas être là, flanc de peloton, j'avance, j'avance pas. J'avais mal attelé ma jument et tapé dans le pont. Et du coup, dès que j'ai lancé,
clac, clac, tu vois, ça, elle se tapait. Elle est rentrée avec, avec un fanon là, à 100. Des conneries, des conneries. Après, j'arrête. Bayat Keno et Degen, je veux le suivre. Je fais pas la sauce, elle tape. Bref. Tout et n'importe quoi, toute la route. Pas content d'elle, mais pas content de moi. Mauvaise place. Tout fou. Il va pas se reposer sur ses lauriers. Quoi qu'il arrive, et il va pas pleurer sur ce qui s'est passé. Il va de l'avant, toujours. Toujours. De façon générale, dans sa vie, il baisse jamais les bras. D'ailleurs, il a eu le bras complètement immobile et il a réussi, avec un courage inouï, à le faire bouger et se remettre au travail encore plus qu'avant. Il va pas se morfondre si jamais ça va pas, hein. Ça, c'est pas du tout le genre. Je pense pas à l'accident, je pense plus à l'accident. Ça ne peut pas apporter que des bonnes choses. En fait, je crois que c'est des putains de cachets qui me mettent mal, quoi. C'est pour ça que des fois, je suis pas très bien. Il y a qui me mettent pas un mural d'acier, quoi. Je suis moins explosif qu'avant. Il est parti, alors, tant pis. Le King, c'est un paresseux, c'est le King, quoi. Le grand, c'est une teigne. Alors c'est assez paradoxal parce que il va paraître assez agressif dans son box quand quelqu'un passe ou quoi, il peut mordre. On fait même très attention aux courses, mais bon, comme un entier en fait. Hein. Et après, si on est en train de s'occuper de lui ou de le soigner, limite, on pourrait tout lui faire. Enfin, c'est la force tranquille, c'est un peu le Hercule stoïque. Il aime bien mordre des trucs, alors il a son petit ours, son petit filet. Alors les autres choses, il a cassé ça, il trouvait ça drôle. Et avec les mâles, il n'aime pas trop. Bah, il montre. Et c'est lui qui commande. Pourquoi tu joues pas avec ton petit panda? Parce que lui est méchant. Babélina, il compte sur elle aujourd'hui. Il sait pas si elle a encore envie de doubler. C'est pour pas être 3-4, elle a rien à faire sur un programme de Pôle Amérique. Faire. Parmi les temps forts de la journée, évidemment, le Grand Prix de Belgique, dernière des 6 épreuves qualificatives au Prix d'Amérique. Pour Bélina Josselin, eh bien, c'est un rendez-vous très important car elle doit aujourd'hui complètement rassurer. On a enlevé les 4 fers. Devant, on a laissé des plaques, des petites plaques en plastique à moitié. Comme ça, on est bien léger et ça protège un peu le pied quand même. Là, ouais. Là, on est parti, là. Là, normalement... Thank you.
Bélina Jocelyn, la favorite de la course, est à l'arrière du peloton devant Dijon. Cara Williams, c'est looking superbe. Voilà Bélina Jocelyn qui se décale et qui commence à progresser gentiment à l'extérieur. Bélina Jocelyn qui revient pratiquement à hauteur des deux premiers, qui est lancée maintenant par Jean-Michel Bazir. Il faut qu'elle montre quelque chose aujourd'hui. Bélina Jocelyn qui va essayer de revenir sur Elino Dupomereux. Elino Dupomereux est toujours seul en tête, attaqué par Bélina Jocelyn. On revoit la grande Bélina Jocelyn maintenant qui va lutter pour la victoire jusqu'au bout avec Elino Dupomereux qui a sans doute gagné aujourd'hui son billet. On finit fort avec Hermine d'Olivry et Davidson Dupont. Bélina Jocelyn qui a 15 jours de la Munich rassure complètement en remportant cette épreuve devant Elino Dupomereux. Davidson Dupont. Magnifique Bélina Jocelyn qui sera là dans 15 jours pour défendre son titre dans le Prix d'Amérique. Elle s'impose brillamment. On écoute trop les gens et du coup on se met presque à douter. Mais moi j'avais toujours confiance en elle quand même et là aujourd'hui elle a prouvé que les cracks ils se relèvent toujours. Donc, Oh c'était très bien. Alors il m'a rien dit, c'est moi qui lui ai rappelé une phrase qu'il avait eue dans le Ténor de Beaune en 2016. Il descend du sulky, il me regarde, il me dit, tu vois, là, on a l'air moins con. Du dernier Grand Prix d'Amérique. Il sera présent donc dans 14 jours pour défendre son titre. Et encore un succès pour Jean-Michel Bazir. Bravo. Quand Christophe il vient, ça va très vite. Arménie, il doit avoir des regrets. S'il sort devant moi. Là, il ferait une vraie course. Normalement, il va monter là-dessus. Il faut, parce que sinon, elle va être sixième. Ah, tu mets Davidson, Boldigle, tu mets Felsam au bon, tu mets Déa Dupont-Mieux, tu mets Locune Super. Vous savez qu'on est sixième. Le truc de Jean-Mi, c'est que si ça va bien, il dit comment on va faire pour faire mieux l'année prochaine. Et si ça va mal, il faut se remettre au boulot, mais dès le lendemain matin. Donc en fait, quoi qu'il arrive, le lendemain matin, ça va être boulot. Ah ben, elle fait partie intégrale de la team, ça c'est clair. Elle nous apporte énormément. Elle fait partie de ma réussite, c'est sûr. Sans une femme, l'homme est moins grand. Ouais, pas bon. Moi, je dis ça. Voilà, sur la grande piste. Allez. Quel cheval Jean-Michel va driver? Il a le choix entre une Bélina et puis Davidson Dupont. Il n'aurait pas gagné l'année dernière avec Bélina. Il n'aurait peut-être pas choisi de la redriver cette année parce que c'est probablement pas la meilleure chance qu'il a à son entraînement. Mais il y a ce côté affectif. Ça a toujours été la logique de l'écurie. Je prends le meilleur parce que c'est comme ça. Donc les propriétaires, c'est toujours un petit peu des dents qui grincent quand c'est pas Jean-Michel qui mène. Après, peut-être qu'il a déjà pris sa décision, mais Jean-Mi, il a ses secrets. Donc, Je me dis que c'est pas possible de faire mieux que l'année dernière. Après, il va arriver ce qui arrive droit, mais en tout cas, mes chevaux sont parfaits. Ce qui s'est passé l'année dernière, il faut avoir beaucoup de chance quand même. Ouais. Maintenant, je suis toujours inquiet, puis c'est pour le départ. Quoi. Je me réveille toutes les nuits et je pense à ça, mais je me rendors aussitôt. Est-ce que tu vas driver Bélina Jocelyn? Oui, c'est établi, parce que là, j'ai moi été totalement rassurante. Franck, il connaît Davidson sur le bout des doigts. Donc, voilà. Encore une année, continue comme ça, quoi.
Déjà, tu pars dans le bon sens. Oh, toi, t'es méchant. Pourquoi je me sens? Bah si, tu lui dis que tu pars dans le bon sens. Ouais. Il va partir dans le bon sens, quand même. Ouais. Il est là. Des fois, il est robe. C'est ça que j'ai peur, c'est le départ. La plaque. Donne-moi la charriotte. Tu mets les couvertures comme d'habitude dans le dos. En deuxième position, on est dans le premier tournant et on va dans quelques instants passer devant les tribunes. Davidson Dupont qui est tout à l'extérieur en troisième épaisseur, vient également en propulsion tout à l'extérieur. Voilà, voilà, bloque-le. Il vient en quatrième épaisseur de la montée. Bélina Jocelyn est venu en tête et venu rejoindre Davidson Dupont à la corde. Les trois basiers en trois premières places. Allez Bélina, allez Bélina, c'est bien comme ça. Voilà l'extérieur, une attaque terrible de Johan Le Bourgeois qui essaie de prendre l'avantage avec Vivi Dwaizas. Allez, avec Vivi Dwaizas qui est en tête toujours, mais Bélina Jocelyn, la tenante du titre, va attaquer. Attention également à Bianco Christian Bouillard. Avec les basiers maintenant qui ont pris l'avantage. Allez, attention, Gabriel Group à la corde est en train d'accélérer. Avec le phénoménal FaceTime Bourbon, le jeune prodige qui parvient à s'imposer dans l'Amérique à l'âge de 5 ans. Deuxième place pour Davidson Dupont, troisième place pour Bélina Jocelyn. Ah, mi-tournant, j'ai cru un peu. Ah oui, mais moi aussi, j'ai hurlé. Passons que. Bien, il était plus trop lui. Dans... Ouais, il sera, c'était bien. C'est le meilleur. Deuxième, troisième, c'est magnifique. Je m'attendais pas à ce que vous ayez le sourire. Ah bah si, Valigo, il faudrait relativiser. Il y a tellement de misère dans le monde que hey, deuxième et troisième, je suis super satisfait. Pourquoi pas vous partager un peu, qui ont gagné tant. Voilà, en plus, comme tu dis. Johan, il attaque pas. Ouais, peut-être ça. Ah, est-ce ça, qu'on peut, on peut encore plus bloquer. Oui, il était trop devant. Ouais. Jean-Mi, tu vas au podium ? Ouais. T'es content ? Je suis content. On a fait du bon travail depuis 4 mois avec toute mon équipe, que ce soit à la campagne ou à Grosbois. Enfin, je suis fier de mes chevaux et de mes hommes. C'est bon ça.